Oui, tout à fait. Notre souci, c'est d'amener plus qu'un livre, une histoire, et de donner en plus la possibilité, à partir de l'histoire, de transmettre aux enfants donc, des valeurs dont on estime que l'enfant a besoin, et peut-être celles les nôtres aussi, parce que pour nous, elles sont importantes. Et donc, ça va permettre à l'enfant de se structurer autour de ses valeurs et de développer une belle personnalité. Oui, à l'archéotrice aussi, dans la collection Vivre Ensemble, où là, on va essayer d'expliquer les codes, à quoi ils servent, et surtout qu'ils nous apportent, que les codes ne sont pas là pour nous embêter, comme le code de la politesse, comme le savoir-être, mais qui sont là pour notre épanouissement, à notre plus grand bonheur. Alors, parmi les derniers ouvrages, dans la collection Histoire de valeur, on a Cheval blessé, une histoire de promesses non tenues, qui va faire souffrir un cheval, mais tout va s'arranger au fil de l'histoire, pour parler du poids de la parole. On a dans la nouvelle collection qui s'appelle Les grandes émotions, on a Deux cerises, qui va parler de la séparation, du manque de l'autre, et puis Parapleur qui va parler de l'absence, de la perte, que ce soit d'un animal, de son animal de compagnie, que ce soit d'un copain qui est déménagé, tout ce qui peut être assimilé à un deuil pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il sache que ça ne reviendra pas. Dans le Vivre Ensemble, on a deux albums souvenirs qui vont nous servir à travailler en intergénérationnel, c'est-à-dire entre un enfant et un adulte, voire un grand-parent, où on a 37 histoires très courtes et on va côte à côte lire chacun un petit paragraphe et ensuite, automatiquement, comme il s'agit de souvenirs, on va discuter à propos du texte qu'on vient de lire. Oui, alors nous avons la chance d'avoir l'exclusivité de la marque Kamini Bay. Donc c'est un modèle qui a été développé par Philippe Gouffretot, le concepteur, qui est un Kamishibai revisité. En fait, une lecture à la japonaise qui tire plus du conte et puis qui nous permet de lire à des groupes avec une façon différente d'appréhender. Ce n'est pas une lecture, c'est un conte. Donc on va, en fonction de la réaction du public, on va complètement s'adapter, modifier. Ils sont en français et en anglais, pour certains même en allemand. Et on propose chaque titre de la collection Histoire de valeur, un album, on le propose également au format Kamini Bay. Merci. Je vous en prie.